Bonjour, tout comme vous, je suis confiné chez moi avec ma sœur et mon beauf, et faut bien avouer qu'on n'est pas dans le même mood. Ah, c'est clair. Je suis foot freestyler, et mon pseudo de freestyler, c'est Franky Style. Franky quoi? Franky Style. Franky Style? Non mais c'est quoi ce blaze? Salut, moi c'est Franky Style. Ouais, bah c'est pas moi qui ai choisi, c'est des potes du football qui m'ont appelé comme ça. Ah ouais? T'es vraiment sûr que c'était des potes? Je me suis dit que pendant le confinement, ce serait le bon moment pour vous faire découvrir un nouveau sport, le... footbag. Le quoi? Le footbag. Football, tu veux dire? Ah, c'est bien le football. Non, le footbag, avec B-A-G à la fin, comme un sac. En anglais. Ouais? Et le footbag, dans sa version freestyle, c'est ça. Ah ouais? Et tu sais faire ça avec un vrai ballon? Oui, regarde. Ouais, t'es aussi bien payé que Neymar. Le footbag, c'est un sport qu'on peut pratiquer chez soi. Ou pas. C'est un sport qui vient d'Asie. Ah, t'as raison, c'est bien le moment de présenter un truc qui vient de Chine. Non, mais j'ai pas dit de Chine, j'ai dit d'Asie. Et c'est un sport qui se pratique sur place, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Et ça se pratique également avec une petite balle souple, donc contrairement au ballon de football, on ne risque pas de casser... Si ça casse les ton truc, là. Ne risque pas de casser des objets chez vous. Et si vous êtes confiné chez vous avec des enfants qui ont besoin de se dépenser, c'est une bonne solution. Des enfants, mais c'est ça que j'ai oublié de faire. Ouf. Le footbag, c'est un sport de jonglage au pied qui développe beaucoup d'aptitudes comme la coordination. Coordination? C'est faire ça? Donc la coordination, l'agilité, la souplesse et la concentration. Et c'est un sport qui s'adresse tout autant aux filles qu'aux garçons. Ah, les filles, ça c'est bien ça, les filles. Donc toutes les footeuses et les footeux, si vous ne pouvez pas sortir vous entraîner, profitez de cette occasion pour améliorer votre technique en contrôle aérien. Ça vous permettra, entre autres, de travailler vos deux pieds et également de moins stresser quand le ballon vous arrive dessus par voie aérienne. Dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai comment vous procurer un footbag et même comment en fabriquer un vous-même. Et je vous donnerai tous les conseils et tous les exercices pour pouvoir apprendre les 4 coups de base du jonglage au pied. Vous pourrez ainsi devenir des dieux du jonglage au pied et je vous invite à partager vos prouesses avec le hashtag footbag challenge. Encore un hashtag challenge? J'en peux plus de hashtag challenge, moi hashtag gueule, ouais. Je vous invite donc à visionner les vidéos qui suivent pour découvrir mes tutoriels. Ouais, c'est ça, ouais. On va pas s'amuser à s'occuper aussi. Oh, arrête, me tue pas, tu t'es pas lavé les mains. Ouais, allez sur ta chaîne YouTube, Franky Style. Ouais, il est super, ton nom.